Et nous voici de retour pour la suite de l'aventure. Donc c'est la partie 12 du cauchemar de Jill, les gars. Du coup ici, bon, on part juste avec finalement le magnum, le pompe, ainsi que c'est quoi l'autre saloperie que j'ai déjà? La clé casque, c'est ça? Bon, là, vu qu'on va repasser, alors à savoir que les serpents, ils sont beaucoup plus simples à passer à l'aller qu'au retour. On va se munir d'une herbe bleue au cas où. Si je me fais croquer le cul à tout moment, je peux me soigner le fion. Alors attendez, parce que c'est un... là, je sais plus exactement ce qu'il faut vraiment que je fasse en fait. Je sais qu'il faut que je remonte au manoir normalement. Enfin, les hunters, putain. Ah ouais, les hunters, ma gueule. Это Джилл. Я слышу тебя, Брэд. Прием. Отряд Альфа. Отряд Браво. Хоть кто-нибудь ответьте. Повторяю, это Брэд. Брэд? Брэд! Это Брэд. Если не можете ответить, подайте сигнал. Джилл Брэду, ты меня слышишь? Брэд! Bon, c'est carré, on est à peu près à la moitié, je dirais, de l'histoire de Jill. Plus ou moins, tout petit peu plus de la moitié, peut-être. Je sais pas trop. Non, la moitié de l'histoire de Jill, je dirais, moi. Donc, on va remonter au bassin là-haut, dans un premier temps. On va remonter au bassin là-haut, ensuite, il faut descendre en bas. Il y a l'énigme avec les statues à faire et les murs et tout. Ouais, bon, putain, le bon pépère qui dort. Ça c'est bon clep, ça, bon pépère, ça. Mauvais pépère, ouais. Mais quand il dort comme ça, il était presque mignon, le truc. Alors qu'il a le système de côte à l'air, mais il est quand même mignon. Alors là, on va essayer de... essayer de passer là. Ah ouais, putain, je me fais tout le temps croquer. Je connais pas le... Je suis pas empoisonné, putain, la vache. Ah oui, quand même. La maman. Ouais, alors au retour, ils sont beaucoup plus agressifs, comme tu peux le voir. As-tu ma main? Ah, mauvais chien. Ça, c'était aussi dans le premier, on entend ce chien hurlant au loin, on se demande ce qu'il est là, quoi. Ça se trouve, il a une troisième jambe qui lui pousse sur le front, c'est pour ça que ça gueule, parce que ça doit être douloureux comme Jaja. Ouais, alors... Oula. J'aurais peut-être dû les buter, ces connards-là, je sais pas. Donc Barry qui nous a encore laissé full stuff. Gros kissman de service. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre uniquement ça et... voici les munitions qui sont là. Acide, je veux mon lapin. Après, niveau life, je vais te dire... De toute façon, tu sais quoi, je vais passer au coffre. Je vais déposer un spray au coffre. On va même en déposer deux, on va juste en laisser un ici en fait, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Ah, je vais en laisser deux quand même, tu sais quoi? Barry, il a des grandes feuilles, le mec, avec des stylos, il est là, il écrit. Attention à la créature enchaînée, elle résiste aux balles. J'ai aussi réparé cette maudite porte. Ah oui. Oui, parce qu'en fait... La porte où on peut casser la poignée, les gars, elle se casse réellement. Et en fait, à un moment donné, bah, bon là, on a eu de la chance, mais à un moment donné, tu ne peux plus l'utiliser. Et Barry finit par la réparer, donc elle est de nouveau fonctionnelle. Donc c'est stylé de ouf, en fait. C'est lourd. Donc là, on se munit du magnum. Puisque normalement, cinématique épique, les gars, j'annonce. Là, ça me fait sourire avant que ça arrive, carrément. Je sais pas comment me dire. Alors attends, je voudrais essayer. Si je me mets direct comme ça, est-ce que elle sera dans la bonne position? Tellement bien. Ah non, dans tous les cas... Ah oui, oh putain, tu le crois ça? Dans tous les cas, elle est retournée, mec. Vas-y, tu sais quoi, avec sa mère. Hop. Du coup, attends. Parce que du coup, je suis là. Ouais, d'accord, je suis là. Hop, très bien. Alors on garde le magnum, les gars, parce qu'il y a un deuxième hunter juste là. On va s'occuper de lui et ensuite c'est bon, on peut déposer le magnum dans le coffre pour le moment. En vrai, je crois qu'on peut attendre.
j'ai tiré 4 balles en tout, j'en ai gaspillé 2 quoi. Oh la vache. Oui, donc attendez, je me perds. Là, du coup, je peux déposer mon magnum. Hop, 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 hop. Je vais déposer mon pompe. Je vais juste prendre mon lance-greu-greu. Ah oui, en plus, attends. Oui, non, je vais les garder, celles-ci. En vrai, je vais les garder. Ce que je vais faire même, c'est récupérer les autres vertes. Voilà. Attendez que je fasse pas de conneries, les loulous. Je vais quand même prendre mon pompe. Je vais quand même prendre le pompe parce que je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire exactement, la gras. Donc on va prendre quand même le pompe. J'espère que je vais pas être baisé pour les objets à ramasser après. Il faut choper le livre, donc c'est bon. La batterie, le livre, la batterie, et il y a une boîte de munitions de pompe. Alors, du coup, je vais laisser le pompe. On va pas forcer, je vais laisser le pompe, mes loulous. Je vais pas prendre de risque parce que j'aimerais vraiment éviter un aller-retour inutile. Bon, allez, c'est parti. Alors, attends, du coup, là, on remonte à l'étage. On va dans le petit salon. Du petit salon, je passe la pièce. Là, il y a une énigme à la con. C'est une énigme de rapidité. D'ailleurs, j'avais grave apprécié pour le coup qu'ils aient varié ce petit truc. C'est vrai que ce remake-là, les gars, je n'aurais cesse de le dire, que franchement, le jeu est très très bon. Très très bien réalisé, ils ont eu que des bonnes idées dans ce qu'ils ont rajouté et tout, franchement c'est... On penserait vraiment la version de base en fait. C'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment bien foutu. Alors vas-y, c'est parti, hop, on ouvre cette cochonnerie. Putain, ouais, c'est vrai, il reste tout le labo. Oh là là, le labo aussi. Pff, ça va être un joyeux bordel, les gars, ça. Les peintures de mecs qui se font égorger, qui pissent du coup, du sang du coup et tout. Mais c'est très glauque, hein, la déco. Très, très glauque. Du coup, attends, faut la poser vraiment en butée. Voilà, là, on est bon. Perds pas de temps, mon loulou, hein. Tu fais comme moi, parce qu'après les murs vont se rabattre sur nous, et donc faut que tu aies le temps de pousser la statue, donc il faut courir en fait, hein, clairement. Alors ici sur la gauche, on a soit une dague à récupérer, soit une batterie. Bon bah voilà, c'est une batterie là. Bon, ça peut être une dague, ça dépend des fois. Allez, on descend dans le trou. My naga. On récupère cette merde. J'avais oublié qu'on récupérait le livre volume 1, mon lapin. Bah tu vois, heureusement que j'ai pas pris le pompe. Clairement, est-ce qu'il y a quelque chose à récup là-dedans ou pas? C'est encore les livres... Ah ouais, il y a une médaille ici. Cachez le médaillon. Médaillon de l'aigle. Rien d'inhabituel. Ok, médaillon de l'aigle. Très bien. Donc là, ici... c'est les récits d'un scientifique. Greg Trevor. Bah du coup, c'est sa femme, en fait, la meuf enchaînée, si tu veux tout savoir, mon lapin. C'est sa bonne femme, là, qu'on a croisée. Qui est de mauvais augure, d'ailleurs, pour le coup. Ah vache. Donc ok, du coup ici, belle avec la ring. Normalement elle est trop lente, hein. Elle ne devrait pas vous poser trop de problèmes. On va choper les munitions ici. Le fusil à pompe. On va prendre la carte ici. Voilà. On a pris la carte manoir B1. Là ici normalement, avec un peu de skills, tu passes sur la gauche comme ça. Hop. Elle est toujours à peu près dans cette position-là. C'est très très rare qu'elle soit sur l'un des murs dans le couloir à droite. C'est très rare. Ça arrive, mais c'est rare. Du coup, ici, ce que je peux faire, c'est... Alors, attends. Je vais ramasser la dague qui est là. Attendez, parce qu'il faut que j'aille activer une pute ici. Il
J'aurais pas confiance d'allumer le courant avec les yep dans la flotte comme ça. Putain, c'est chaud. Du coup, je suis en bien. Ok, très bien, c'est parti. Bon, j'avoue, une grenade pour deux zombies, c'est un peu extravagant. J'avoue que j'abuse un peu. Donc là, si ma mémoire est bonne, on arrive dans la cuisine du bordel. Du bousin, là, quoi. Alors, attends, ici, il y a une dague. Voilà, alors ça, je me souvenais direct. Donc, système de daguer ici. Pour éviter de tirer bêtement, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire le tour par la... On va contourner la table, on va le faire contourner cette pute au mieux. Voilà. En fait, on va le laisser là. Au moins, on l'a buté, c'est réglé. Alors oui, voilà, c'est ça. Alors attends, ça c'est des cartouches quoi? Ouais, c'est acide, je prends. Balle de magnum. Attends, on va déjà... Ah, putain, une batterie. Ah bah oui, puis en plus, double batterie. Putain, mais j'avais oublié. Mais lourd. Lourd. Puisque oui, ça va être pour la... Pas justement pour la mine et tout ça. Oh là là. Je suis pas du tout pressé d'y aller, dis donc. Alors, bah du coup là, en fait, si je prends les balles et que je récupère ensuite le livre... Je sais pas, en fait, mais loulou... Mon problème, c'est que je sais pas si je récupère les balles là ou pas. À tout moment, en fait. Parce que si je récupère les balles là et que je dois récupérer un autre truc important après et que je suis baisé, ça va nous faire un aller-retour. Déjà, j'ai les munitions de pompe. Tout moment. Ouais, du coup... Ok, bon. Je vais les prendre. Je vais les prendre, mon lapin. Au pire des cas, parce que ça va m'éviter quand même de faire un aller-retour. Parce que au pire des cas... Bah, soit ça m'évite de faire un aller-retour parce que j'ai assez d'espace dans mon bordel, soit ça va nous faire un aller-retour et ça va nous casser les couilles. Alors ici, c'est un peu tactique, mais lapin... Crain, lapin. Parce qu'en fait, il faut prendre la porte là où on a récupéré la clé falche. Donc au tout début, la clé armure, si je dis pas de bêtises... Et pour ce faire, il faut la jouer un peu tactique. Ah putain, voilà, casse les couilles. Ah mais vas-y là, casse les couilles. Tu prends ça, lâche-moi. Mais ah oh, c'est fini les gars là. C'est pas vrai quoi. Donc ici, ce passage-là, soit ça passe bien. T'arrives généralement... Putain, je suis dégoûté. Généralement, je passe sans tirer une balle, les gars. Là, c'était un peu dans les quadrasses. Donc, du coup, on se barre ici. Alors ça, la première fois, je t'avoue que j'avais galéré à trouver parce que j'avais pas pensé à venir checker ici. Parce qu'en fait, tu vois, quand t'es ici, la première fois, il te montre que ce plan de caméra, même si tu fais ça, en fait, tu vois. Et du coup, on pourrait penser qu'ici, il y a un mur. Tu vois, naïvement, si tu fais pas attention, qu'il y a le début des rails et tout, machin... Mais quand t'es là, en fait, t'es pris dans le feu de l'action, tu fais pas forcément attention, tu vois. Puis d'ailleurs, on les voit pas pour le coup. Et donc, en fait, tu passes et t'as un renfoncement ici, un renfoncement. C'est un peu relou, quoi, parce que si tu regardes mal, forcément, bah tu te fais baiser, quoi. T'es couillonné, putain. Alors, oui, alors c'est ici qu'il y a l'énorme enculé de Yon qui revient. Alors, je vais lui combiner le cul avec ça. Putain, je peux tirer 18 d'un coup de temps. What? C'est quelque chose. Alors, deux en haut, les gars, très important. Deux en haut, une en bas, tout simplement.
Enfin, une ou deux ou trois, tout dépend du niveau de jeu sur lequel tu joues aussi. Putain, mais les bouquins, mais j'avais totalement zappé qu'il y avait autant de livres. Il y en avait autant, vraiment? Putain, mais on récupère combien de bouquins? Je sais même plus, en fait. Il y en a au moins 5, alors. Putain, la vache. Oui, bah oui, évidemment, je veux. Et puis, bah écoutez, là, mes petits pères, on est, je crois qu'on est carré, puisque... Attendez, je vais l'examiner aussi, comme ça on va ouvrir. Direct, voilà, on récupère la médaille. On va aller sauvegarder, de toute façon, l'épisode touche gentiment à sa fin. Malala. D'ici, la salle de save la plus proche, me semble-t-il, que c'est la salle de sauvegarde qui se trouve ici, normalement. Mais attendez, c'est ici ou c'était la porte tout au bout à gauche? Ah putain, c'est la porte tout au bout à gauche. Ah, je m'en marre, j'aurais pu faire ça, ça. Ouais, oh, pff, non, attendez, on va passer par là, tant pis s'il y a l'autre enculé. Apparemment, ça va mieux. Attendez, c'est putain, mais je suis un ouf, c'est cette porte-là, mes loulous, excusez-moi. Je vous avoue que, ouais, quand on a ouvert toutes les portes et qu'on peut circuler librement dans la maison, tu peux te raccourcir ou te rallonger le chemin pour aller à ta destination. Donc faut bien réfléchir, du coup je m'emmène un peu les passos, là. En fait, c'est mieux quand toutes les portes sont fermées au début, parce que t'as pas le choix, t'as un chemin tracé, mais après, quand c'est monde ouvert, en mode baraque ouverte, pour le coup, ça devient tout de suite plus technique. Donc mes petits poulets, c'est déjà la fin de cet épisode là, donc on va prendre le temps de sauvegarder. Alors attendez, mes petits loups, déjà, attendez, je crois que déjà, j'avais les munitions de Magnum de côté, non? Ah, j'ai mis ça de tech, oh wesh, on va poser la batterie. Attendez, je vais même poser ça, ça. Attends, j'en ai 15, lourd. Ce que je peux faire, c'est faire ça, combiner, voilà, ah oui, non mais oui. Allez hop. Peut-être que je reprendrai des trucs, j'en ai aucune idée les gars. Ah oui, mais attends, non, ça je le garde, ça, ça vire. Ça aussi, c'est le pompe qu'on reprend en fait. Putain, les rubans putes. Les ruffions. Bordel de merde. Les ruffions, putain. Ouah. Ok mes petits loups, bah écoutez, c'est déjà la fin de cette partie-ci, mais on se retrouve immédiatement pour la suite de notre solution FR. Je vous fais des bisous, ciao ciao ciao.